transformera notre école dans un État indépendant et résilient pendant 3 jours. Je suis dans le groupe numéro 10 contre les inégalités. Dans le cadre de ce micro-État, on va créer une haute autorité aux limites planétaires pour contrôler les activités de la République Dreizam, en informant et en agissant. En somme, prendre conscience qu'on joue avec le feu et limiter les brûlures à notre échelle. Au lycée franco-allemand, il n'y a pas d'éco-délégué, mais des élèves ODD qui œuvrent pour les objectifs du développement durable. Dans notre lycée, il n'y a pas d'infirmière. Du coup, c'est nous, un groupe d'élèves qui sont formés pour intervenir sur tout type d'accident. Donc on répare des vélos, comme vous pouvez le voir, et on apprend aussi aux autres, aux élèves, à réparer leurs vélos eux-mêmes. Après une formation, on encadre de manière autonome des groupes de 4 à 6 élèves. Nous avons installé des panneaux solaires sur les toits de l'école et on gère les finances. Et avec l'argent, on fait aussi d'autres projets, comme par exemple un vélo électrique avec des panneaux scolaires aussi. Nous sommes un groupe d'élèves et toutes les semaines, nous vendons des produits du commerce équitable. Et on adore le chocolat. Nous produisons aussi notre miel. Nous sommes de l'atelier jardin. Nous nous occupons des plantes aux alentours du lycée avec beaucoup de plaisir. Dans le cadre de la République Dreizam, nous avons créé le concours d'éloquence et le climat sur la justice climatique.